Initiating system 1. System 1 loaded. Hey, how are you? C'est Gunshow. Et aujourd'hui, je suis sur le devlog 95 de Rust. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on va dire, entre guillemets, il s'est passé plein de choses entre-temps. Donc, le devlog dernier, je vais les faire, c'est sûr. Mais là, quand c'était le dernier en date, j'ai préféré le faire en premier. Donc, voilà. Donc, il y a eu du changement sur le jeu, qui est vraiment intéressant. Comme vous voyez là, la sorte de cage. Donc, voilà. Donc, on en voit un petit, quand même, ouais, on va dire un petit bout, quand même. Donc voilà, donc là c'est le son, apparemment à chaque des vlogs ils mettent une musique. Ah non, maintenant je l'ai perdu, ok. Bon ben on va l'écouter là. Donc voilà, j'espère qu'on va m'entendre. Je vais peut-être baisser hein, encore. Ok, bon, c'est un son comme ça. Pire, je vous mettrai le lien dans la définition. Donc voilà. Ok, donc voilà. Voilà. Donc on va continuer sur le devlog. Mais donc on va commencer avec là, on a fait la musique. Donc, on va continuer avec le building bloc sur mur. Après, je connais pas Vincent Mayer. Un peu plus, j'ai vu sur d'autres des vlogs. Donc voilà, donc là, vraiment, ils montrent une œuvre en fait qu'ils ont fait là pour les prisons, apparemment. Donc bon, on va voir ça. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, en gros, c'est comme une fermeture de prison, c'est vraiment stylé, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est la première. Donc voilà, après là, une suivante. Et ça, je trouve franchement c'est assez stylé quand même. C'est stylé quand même, n'empêche franchement, voilà quoi. Donc après sur les portes, par contre on peut mettre des verrous hein, normalement de base, donc c'est bon. Donc là on va voir ça. Ça le petit magasin. Oh. Oh yes. Oh nice. Alors donc voilà, après c'est toujours le même personne. Donc on va dire il avait commencé dans l'autre devlog qui était avant sur des sortes de... Ouais, on va dire des... Comment ça s'appelle ? Enfin, du moins un plancher avec une trappe, voilà. Donc voilà, donc là on va voir la trappe au milieu. Donc ça fait échelle. Franchement, je trouve que c'est bien, c'est énorme, enfin un truc comme ça, c'est trop cool.
On va pouvoir faire des trucs comme ça au lieu de faire des échelles et tout, c'est pas mal. Enfin, pour varier un peu. Donc voilà. Donc je laisse un peu ce qu'il y a ici. Donc après on continue après avec Gary et Newman. Ils parlent de crash apparemment parce qu'il y a pas mal de crash qu'il y a eu la semaine là. Donc là il en parle un peu. Et après il reporte qu'il y avait un problème avec Nvidia. Et que normalement ça a été réglé normalement. Réglé plutôt. Réglé. Réglé, ouais. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être pas mal. Enfin, qu'ils ont réglé le problème. Et aussi après, version 32 bits de Rust sur Windows. Maintenant, j'ai fréquence, accent à la pile. Ok. Donc en gros, il y a toujours des fuites de mémoire. Il parle. Ok. Donc voilà, alors pour les, comment dire, les amateurs de snipe, enfin, il y a un x4. On va dire un viseur de longue portée, on va dire, entre guillemets. Donc franchement, ça va être pas mal, ça, pour les snipes, vu qu'on peut tirer de loin avec. Donc, plus une portée, enfin, un viseur porté, ça va être vraiment utile. Donc voilà, je vous montre quand même les photos en ouvrant bien sur le côté. Hop. Donc là, on voit bien le viseur, quoi. Franchement, c'est pas mal. Elle a l'air stylée quand même. On va le voir là aussi. Ok, donc ça vient, ça sort comme ça. Ok, d'accord. Franchement, ouais, ça peut être pas mal ce viseur. Donc voilà, après, ouais. Ouais. Moi, franchement, j'adhère. Enfin, un viseur pour un snipe, serait pas mal. Donc voilà, après il parle de correction, des attachements et des améliorations. C'est tout ce qui est armes pour les armes, je crois. Une pièce jointe qu'on rajoute aux armes, à mon avis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après il marque une bourde a été, le viseur laser a donné ses bonus même quand il était éteint. Ok. D'accord. Ok. Après il parle de tout ça. Donc voilà, après il parle de, on va dire, donjon et rock performance. En gros, je crois que c'est pour la performance quand on est dans les lieux où il y avait des framerates bizarres ou des la load, je crois que normalement c'est, oh putain. je crois que c'est tout sur les textures et tout. Ouais, c'est pour la distance, communication, load, impact visuel, ouais, c'est pour tout ce qui est visuel, économiser quelques centaines de milliers de triangles par image. Oh, quand même. Ouais, ça peut le faire, ça. Il y aura moins de RAM, on va dire, entre guillemets, quoi. C'est quoi ça? Le Bling Blockson. Et c'est tiré de. Non, c'est Building Block Son. Ok. Ah, mais c'est écrit. Ouais, bon, bref. Après, des fois, je me fais attention quand même à la traduction. Non, c'est ce construction bloc son. En gros, ils ont retravaillé le son des blocs de construction. En gros. Donc, c'est pas mal, ouais. Une nouvelle trappe, nouvelle porte. Donc, ils travaillent sur des nouveaux sons. Pour les clôtures, émail, losange, et... hein? Je suis pas sûr de cette phrase traduite. Ok. Bon, moi je suis pas très bon en anglais donc je pourrais pas vous dire si c'est bon ou pas. Bon. Donc après, ils ont refondu un peu les habits. Parce qu'apparemment ils étaient. Comment dire? Ils marquent quoi? Tac tac, vêtements rejoignent les. Particulièrement déformé à certains égards, étrange sur la plupart des pièces. En fait, en gros, ils ont retravaillé tous les vêtements à peu près. Donc, ça peut le faire hein, s'ils ont retravaillé pour que ce soit plus vraiment réaliste, on va dire, niveau habit.
Parce qu'à un moment, les avis, c'était. Voilà quoi. C'était pas au moins si bien que ça. Ok, donc après la semaine prochaine, il finira le reste. Ok. Donc après, on continue avec donc Roger et Newman. Roger correction. Ok. Je ne veux pas trop. Il y a un problème avec le code regardé. Enfin, un problème avec la regardant de le code, ajoutais-je la semaine dernière. Alors, vas-y, il fallait se battre pour ouvrir une caisse. Ah bon? Ah, ok. Ouais, enfin, j'ai pas eu vraiment ce bug. Ok. Donc, aussi après, il parle de plantes soldes parce qu'en fait, il y a les citrouilles. En fait, en gros, ils avaient sur le serveur, ils avaient plus de 4000, on va dire 400 000 entités de citrouilles. Et plus de 100 000 d'entre eux étaient éteintes en fait. Non, étaient des plantes citrouilles. Le problème, c'est qu'ils ont ajouté. Enfin, ils crevaient pas en fait. La plante a resté active tout le temps. Donc voilà. Et continue à donner des graines même s'il meurt. Donc c'est ouf s'il ne meurt. Ok. Ok. L'objectif à long terme pour résoudre ce problème est que vous allez avoir des. Oh, ok, d'accord. On va devoir les arroser. Ah. Ok, après les plantes, en bas nous avons le lance-flamme. Ah, cette arme est, comment dire, en train vraiment de se faire créer, donc ça va être pas mal. Ok, on va voir ça. Hop là, la petite image qui passe bien, le lance-flamme. Il me fait penser à TF quand même, le lance-flamme quand même, en y pensant. Team Forest, enfin. Team Fortress, ouais. Ouais, ça, ouais. Non, attendez. Bon, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Fortress. Voilà. Donc, voilà. Ça a l'air sympa, franchement. Lost Flame. Perso, ça aura une arme d'enfoiré, ça. Vraiment de gros enfoirés, quoi. Tu te fais raid, par exemple. Vous sortez le lance-flamme, vous attendez qu'il rentre, tu vois. Enfin, vous voyez. Et là, tu t'actives le lance-flamme, tu crames le mec avant qu'il rentre chez toi, quoi. Ça pourrait être sympathique, ouais. Ça pourrait être sympathique. Donc là, on va voir à peu près à quoi il ressemble. Donc le modèle en 3D, franchement, il est pas mal, ouais. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Putain, s'ils le mettent la semaine prochaine, putain, je vais m'amuser avec. Enfin, du moins, je vais essayer de le dropper le plan. À moins qu'ils mettent le système d'XP en marche. Ça va être pas mal aussi. Ouais, ça a l'air pas mal du tout, lance-flamme quand même. J'aime bien. Allez, on passe à autre chose. Donc là, tout à l'heure, plus haut, je vous ai parlé des viseurs. Donc voilà, ça c'est les scopes. Enfin, on a un viseur pour snipe. Ah non, ça, ah, je me suis mélangé. Ce que j'ai parlé plus haut, en fait, c'est pour un. Ouais, non, c'est le même. Suis con. Non, je sais pas, ça, c'est pas la même gueule. Je crois que ça, c'est pour le x4. Donc, ça, c'est pour une longue portée, ça. Attendez. Ok, d'accord. Je sais pas. En tout cas, ça, c'est une longue portée, donc à mon avis, ça a été mis. En gros, on peut avoir un viseur dans le portée, donc ça va. C'est assez correct.
Les snipes, on va se mettre à sniper hard. Très hard. Le mec là, il pourra dire il n'y a pas de cheat vu qu'il a le snipe et il a un viseur. Donc voilà quoi. Enfin, c'est un viseur du moins attaché dessus quoi. Le viseur, what the fuck? On va faire mettre des têtes à quelques kilomètres quoi. Ça va être pas mal. Perso, j'adhère. Donc après aussi, mouvement de joueur à tonne. Mouvement à tonne. Attends. Souglish, player. C'est ça, Souglis? Slogis. Je ne suis pas sûr de cette traduction. Donc en gros, en fait, il parle des mouvements des joueurs. On sentait plus lent, retardé ou indirect. Avec autant avec mouvement. Ok. Correctant le mouvement du joueur horizontal. Ceci est maintenant corrigé pour moi. 60 FPS, se sent enfin de nouveau 60 FPS. Qui ont d'excellentes nouvelles pour ceux qui jouaient à 60 FPS. Oh! Ça c'est bien ça. Moi j'ai qui joue normalement en. Ouais. Je sais pas, entre guillemets 34 à 40 FPS. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi mon PC, en fait, son PC, il y a ça. Bref. On va dire que là, ça a été réglé pour les mouvements, c'est pas mal. Donc après, mouvement conditionnel 2.0. Ok. Il parle de blocs de construction qui les entourent, ok. Des pièces d'angle de mur, ça, ok. Je vois pas trop. Donc voici ces nouveaux systèmes qui devraient être de mesure de le faire. À exécuter sur serveur, ok. Okay. Gratuit de requêtes de physique, ok. Ok. Je vois pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Bref. Alors, force footstep animal. Ok, ils ont réglé le problème des animaux normalement. En fait, en gros, on les entendait pas, les ours. Ouais, certains, moi, les ours, je m'approchais d'eux, j'entendais pas du tout. Et après, ils fonçaient sur ta gueule, ils te bouffaient. Okay. D'où tu sors l'ours là, tu. Voilà quoi. C'est ouf quoi. Putain, c'était ouf ce bug de son là. Donc, normalement, ça a été réglé, normalement. Donc là, on parle de XP nivellement. En fait, c'est pour le mode XP. Donc, ça, je vous laisse lire pendant quelques minutes, hein. Je vais pas tout lire parce que j'ai déjà lu, je pense. Ouais, j'ai déjà lu ça. Ouais. On y va, sinon après c'est trop long le truc. Donc de toute façon après vous pouvez mettre sur pause et le lire normalement sur YouTube, donc ça va, c'est encore jouable. Parce que si je m'attends, si j'arrête tous les textes pavés, je vais pas m'en sortir moi. Donc en gros en fait je vais juste résumer un peu la chose. Ce qu'ils vont mettre un mode XP en fait, en gros on commencera avec le premier palier, un arbre de premier palier, on va dire la base. Et après, plus on monte d'XP, plus on pourra débloquer des plans pour crafter. Donc en gros plus tard, enfin ouais donc moins d'un mois ou moins. En fait, en gros, on montrera comme ça. Par exemple, vous coupez du bois, vous minez, vous gagnez l'XP. En gros, c'est comme ça. Vous construisez aussi, je crois, il donnera de l'XP. Mais tuer des personnes, ça rapportera pas d'XP apparemment, si j'ai bien compris. Donc voilà, après, je sais pas si on changeait, bref. Donc en gros, vous faites ça, vous montez l'XP, vous avez de nouveaux plans, vous pouvez avancer votre base et tout, etc. Donc apparemment, je crois que ce sera un peu plus dur. Et je crois qu'il y aura plus les partie de plan, enfin je pense, enfin je sais pas si j'ai bien compris. On pourra faire des plans, les plans pour donner à quelqu'un d'autre, je sais pas si ça marchera encore. Donc j'ai pas très très compris. Je crois qu'ils le redisent. Niveau XP, ok d'accord. Ok, on va ça.
Alors, la prochaine étape refonte du système du plan. Au moment où les plans sont trouvés ou étudiés, cela a ses avantages et ses inconvénients. Il est amusant d'aller piller et ne sachant pas que vous allez trouver. Il est amusant de recueillir et de les donner à ses amis, enfin à des amis. Mais il est terriblement imprévisible, incohérent et grindy. Je vois pas que ça veut dire. Il est vraiment pas une façon sympathique de le faire. Ok. Ok. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc en gros, voilà, il parle de ça. Et un truc franchement qui m'intéresse, c'est ça. Conception du submarine. Ça va être pas mal. Donc en gros, ils ont pensé à l'idée d'aller sous l'eau en fait. Donc, à mon avis, bientôt on aura la possibilité d'y aller sous l'eau dans des carcasses de bateaux comme là, comme l'image. Je vais la mettre en grand. Hop. Donc, en grand. Enfin, voilà. Donc là, ça ressemblerait à ça. C'est pas mal. Donc, après, je suppose qu'il faudrait une combinaison spéciale de plongée. Donc, franchement, ça peut être pas mal. Pas mal tout. Après, j'espère qu'ils vont mettre de la faune, des poissons. On voit des poissons là. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils vont rajouter des poiscailles. Et ce serait bien qu'ils rajoutent quand même des prédateurs sous l'eau quand même. Prédateurs. Des crocodiles ou des... Non, ça c'est pour toutes les rivières. Mais des requins, hein, c'est pas possible. Donc voilà, bah, là c'est le changelog. On va dire... tout a été rajouté, c'est là. Donc quand même, il y a pas mal de trucs qu'ils ont rajouté. C'est quand même du travail quand même, n'empêche. Donc voilà. Donc franchement, ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font là. Donc voilà. Donc je vais quand même aller sur le jeu et montrer les changements, enfin du moins sur la console, pour vous montrer qu'ils seront là et tout. Et je vais essayer de construire quelques trucs. Mais je pense pas que j'aurai les viseurs, mais du moins la trappe, je sais pas. On verra bien. Bon allez, je vous reprends sur le jeu. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été rajouté? Alors d'abord on va voir dans construction. Donc il a été rajouté lame raide double d'or. On va dire maintenant on peut construire des doubles portes. Ok. Ça peut être pas mal ça. What the fuck ce qu'il demande? 800 de bois, 1000 fragments de métal. Ok, d'accord. Bah attendez, il demande pas notre il demande pas du métal. Donc plus des gros métal fragments. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Après ça c'est toujours les barreaux et tout, tac tac. Ok, maintenant il demande ça, ok. Ok, ça c'est pour les... Ce que je vais montrer plus haut dans le devlog, c'est les murs, on va dire, en grillage. Donc voilà. Donc ça, évidemment, il y a ça là. Ok, d'accord. Ok, bon après il y a toujours ça, tac 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 tac. La porte blindée... Ah si, il a demandé métal haute qualité. Donc là c'est pour la prison, la porte, pas mal. Et pour la, on va dire le mur, voilà. Donc ça c'est pour le double porte métal, ok. Ça c'est pour le magasin. Et double porte en bois. Ça va. Ça le fait. Donc voilà, je crois qu'il y a que ça normalement qui a été rajouté. Ok. Bon, bah, c'est tous les habits. Normalement, ils ont été un peu mieux faits. Normalement, ils ont été certains. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Ok. Donc voilà, maintenant, on va consulter la commande F1. Alors, item list. Ok, voilà. Donc il y a bien le 4 fois le zoomscope là. Donc en gros celui qu'on a vu en dernier, je crois qu'il sera pas ajouté pour l'instant, mais il sera ajouté un peu plus tard je pense. Enfin dans la semaine prochaine hein, ou après. Pour le vraiment le scope, on va dire voilà quoi, le grand scope là qui fera x6 ou x12, ce serait pas mal, franchement, ce serait pas mal. Donc voilà, on a quand même déjà un x4. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà. En plus, voilà quoi, c'est pas mal. Donc en construction, ouais, ce que je vous ai montré dans le craft, ça on peut les faire directement, donc ça va.
Excellent, c'est pas mal pour les tester. Donc après en item, il y a toujours tout ça. Ok. Bon, il y a toujours ses ressources. Les attraits, ils ont toujours aussi tant. Ok. Ça se pose tout. Le médical, c'est bon. Pour la bouffe, les munitions sont toujours les mêmes. Bon, par exemple, munitions, ça serait bien qu'ils fassent, par exemple, une flèche en fer. Franchement, ça serait pas mal. Enfin, je trouve que ça serait pas mal, ouais. Enfin, du moins équivalent, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Ou une flèche à feu. Parce que là, ils ont bien fait les balles incendiaires. Mais ils auraient pu faire quand même les flèches enflammées. Ça serait pas mal. Perso, ça serait pas mal. Donc après, pour les trappes, il y a toujours ça. Ok, d'accord. Et pour les misques, il y a toujours ça. Donc j'ai plus haut, les bibliothèques de plans et ça. Il y a possibilité que ça part bientôt. Donc voilà. Donc c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, ben là. Attendez, il manque un truc. Ah, mais il faut le plan, je crois. Ouais, il faut un plan. Fuck. Je vais quand même voir. Ah, ok. Les portes se ferment trop vite. Ok, il me faut 100 bois. On va aller couper du bois. Voilà, j'ai assez de bois, on fait ça. Donc là, par là, en fait, j'y ai passé. Faudra sécuriser, franchement, tout là. Parce que je vois pas comment... Putain, il a dû insister, le mec. Il a dû vraiment insister pour pouvoir passer, hein. Ouais, il a dû insister le mec. Il a fait bunny la part. Enfin, du moins, il a fait son truc. Alors, un petit plan. Ok. Le mec s'est mis avec le feu, t'es en mode ouhou, je suis la torche. 8 secondes. Ça rentre pas trop normalement, je suis à 36, 36, ouais, FPS. Normalement, ça devrait pas laguer. Normalement, dans le soir, il bug avec, mais. Là, je prends quelques tissus, c'est toujours utile. Pour s'habiller, parce que là, je suis un peu à poil là. En premier. Ok, bon, j'ai le plan qui est fini, je remarque là. Hop là. Alors. Le plan, ok, sol. Ah, ils sont pas rejetés. Ok, ça c'est pour l'encadrement apparemment.
Ah, parce que non, j'ai mal lu. Je sais pas. Alors qu'ils ont pas rajouté. J'aurais pensé. Apparemment, je crois pas que ça a été rajouté. Fuck. Ah, shit. Je pensais, je me faisais une joie pour le. Pour la trappe. Ok, non, mais je pense qu'on l'a pas. Je crois que ce sera un peu plus tard. Peut-être la semaine prochaine, peut-être on l'aura. Enfin, du moins, je le vois pas dans les crafts ni dans ça. Ok, mais c'est déjà pas mal ce qu'ils ont ajouté, quand même. Enfin, moi je trouve, enfin, après, c'est mon avis. Ouais, ils l'ont pas. Parce que j'en regarde bien, je vérifie une dernière fois. Non, c'est pas dans ça, donc à mon avis, c'est pas encore été implanté. Ouais, ben c'est pas encore été implanté là. Bon, ben on attendra la semaine prochaine pour les trappes alors. Mais dans le sens que, ouais, j'aurais bien voulu qu'il y mette en fait. Parce que c'est vraiment stylé quand même les trappes. Là, en fait, votre base avec les trappes, franchement, c'est top classe quoi. En plus, on peut mettre, apparemment, on pourra mettre des. Comment dire, des codes lock et tout dessus, donc franchement c'est pas mal. Donc voilà. Bon ben je vous laisse sur cette on va dire fin de vidéo. Donc je vous dis à plus tard, c'était Guincho. Bye bye pour d'autres des vlogs.